Aujourd'hui, on parle d'un saxophoniste qui s'appelle Sonny Stitt avec son morceau Turn It On qui est sorti en 1971. Donc là, toujours un contexte hyper funky et jazz en même temps. On entend aussi les sonorités assez blues dans le morceau avec une grille un petit peu différente parce qu'on va employer un accord en fait qui est un peu spécial avec cette sonorité que vous avez entendue. C'est un accord septième, mais dedans il y a une neuvième dièse. Donc c'est un enrichissement qui donne une couleur un petit peu dissonante à l'accord. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, on appelle ça un mi neuvième dièse. Donc ce morceau-là, il est dans la tonalité de si bémol. Donc un si bémol, on en trouve un sur la sixième case, sur la grosse corde de mi. Et vous allez me dire pourquoi si bémol ? Eh bien parce que pour tous les soufflants, en fait, tous les trompettistes, tous les saxophonistes, c'est une tonalité qui est vraiment agréable à jouer. C'est comme jouer en fa, en fait. C'est, si vous voulez faire plaisir à un trompettiste, vous pouvez jouer en fa ou en si bémol, par exemple, ou mi bémol. Et c'est vrai que pour les guitaristes, on a plutôt tendance à jouer avec les cordes à vide, par exemple le mi ou le la. Et donc là, comme je disais, le si bémol, il se trouve sixième case sur la grosse corde de mi. Et alors la guitare, elle joue vraiment un rôle rythmique dans ce morceau. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est assez sympa à jouer chez soi. Je vous joue ça et puis je vais vous montrer un petit peu les subtilités. Donc comme dans tous les blues qu'on a vus auparavant, on va jouer ça et ensuite on va le rejouer à différents endroits de la guitare. Donc quand on a bien la première phrase, après c'est beaucoup plus facile de jouer tout le morceau. Donc là en si bémol, je vais faire un accord de si bémol septième, donc toujours ces enrichissements qui donnent cette couleur jazz. On peut pas jouer finalement juste un accord de si bémol majeur, là on sonnerait trop pop ou trop rock. Donc on ajoute une septième de cette manière là ça sonne déjà un petit peu plus blues ou jazz. Et puis là, typiquement blues aussi, on va faire un barré, huitième case. En fait, c'est ce qu'on appelle les triades en jazz. Alors là, c'est encore autre chose, mais pour revenir à notre morceau, en tout cas, je vous refais le riff. Il n'y a rien de trop difficile, il suffit juste de choper un peu le rythme et puis de bien s'exercer sur le morceau. Donc exactement la même chose maintenant en mi bémol. Donc ça se trouve sur la 11e case sur la grosse corde de mi. La même chose que 6e. Alors là, la particularité du morceau, c'est ce que je disais au tout départ, c'est ces accords en fait avec une neuvième dièse dedans. Que
il s'amuse un peu à jongler pour faire une dissonance. Donc au début en mi, et ensuite en mi bémol juste à côté. Et on revient sur le riff principal. Donc c'est assez dissonant, mais finalement avec le rythme très funky et entraînant, ça choque moins l'oreille que si on jouait ça comme ça dans un contexte un peu plus normal, je vais dire. Et après, pour la fin de la grille, on va refaire encore ces accords-là. C'est exactement la même nature. Quand on sait le jouer, en fait, on a juste à le décaler. Et ce dont je parle tout le temps, de chromatisme. Donc on fait tout le temps le même accord, mais jusqu'à la sixième case. Et on revient au riff principal, en fait, comme un repos pour l'oreille, quoi. Finalement, amener une dissonance, ça permet, on parle tout le temps de résolution en jazz, c'est donner quelque chose d'un peu tendu pour ensuite résoudre sur quelque chose d'un petit peu plus agréable à écouter, quoi. Et on revient à quelque chose de très funky et normal, si je puis dire. Donc, voilà pour les explications. N'hésitez pas à rejouer la gamme majeure que je vous ai déjà montrée plusieurs fois. Moi, je joue ça avec les chromatismes aussi dont on a déjà parlé. Et voilà un petit peu pour Sonistit. On rejoue ça ensemble et puis écoutez ce saxophoniste qui est absolument exceptionnel. Il y a un album qui est vraiment dans un contexte jazz, avec Oscar Peterson au piano. Et je vous invite à l'écouter, c'est un chef-d'œuvre du jazz. Allez, un peu de jazz funk. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. À plus.